précédemment dans Alan Wake. Je suis traqué par la police. Shérif, je suis en train de poursuivre Wake. Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints? Un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. On m'a dit qu'Alice avait été enlevée, mais c'est faux. On n'a pas sa femme! On sait même pas où elle est! L'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. Alan. Chut, bébé. C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Hartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi ? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Non, vous mentez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie indifférenciée. Foiré. Tout va bien, Alan. Tu es. Laissez-vous aller. Sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman, j'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. La porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant? Plus détendu? Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur! Bon, et si vous veniez avec moi? Je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade? Oui, ça vous fera du bien. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autres injections, je fis semblant d'y croire. Il mentait forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé?
Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulante, n'est-ce pas? Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant, vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyez en moi un ennemi. C'est dû à la maladie. Je laisse parler. Après tout, je suis celui qui essaie de vous tirer du monde que vous vous êtes construit. Mais je n'y arriverai pas seul, Alan. J'ai besoin de votre aide. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. Venez, allons à l'intérieur. Voici l'entrée du service administratif, c'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature, c'est fantastique. Sacrément fantastique, ouais. Peur, peur, peur. Emerson. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur. Mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson. Ok, ok. Désolé, désolé, désolé. Bouh. C'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur Coucou. De jeux vidéo. Des bêtises sans conséquence, mais ça nécessite néanmoins une once d'effort créatif, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. La 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 la. Venez, Alan, par ici. Bien, vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Rhumatisme se réveille. Une tempête approche. Oh, et quelle tempête! J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80, les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus.
Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas ? J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais ! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé ? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot. Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Valala ! On a écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Ben sentait les poèmes prendre forme et modeler des choses. Tandis qu'il écrivait, il s'imaginait qu'il pouvait presque sentir la puissance dans les touches de la machine à écrire. Cela le grisait, mais l'effrayait aussi. Si son jeune assistant, Émile, n'avait pas été là, il aurait abandonné. Mais Émile sut le convaincre. Lui aussi savait s'y prendre avec les mots. Dans mes esprits, ou du point de vue d'Hartman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Et vous pouvez pas vous réveiller? Vous pouvez rien contre un cauchemar, car les rêves sont imaginaires. Ah, bonjour. Je vous ai peint. Ok. J'ai eu un pic d'inspiration il y a quelques jours. Le docteur Hartman voulait que je peigne des paysages, et c'est ce que j'ai fait. Mais je peins désormais d'autres sujets, beaucoup d'autres sujets. J'ai sans cesse de nouvelles idées. Le docteur Hartman aime mes œuvres, il les expose dans son bureau. Ah oui ? Il est très fier de moi. Il dit que je vais beaucoup mieux. Je pense aller mieux aussi. Bon, je ferais mieux de commencer à ranger. L'orage sera bientôt là. Regardez-moi ça. J'aimerais pas être dehors ce soir. Et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Hartman, la machine à écrire est dans votre chambre. Vous pouvez rejoindre votre chambre par les escaliers. Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis 4 jours, mais dehors tout n'est qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait, et l'histoire deviendra réalité.
Hartman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. Le générateur n'avait pas été activé, et il n'y avait pas de clé. Hartman voulait que j'écrive. Je savais que ça m'était impossible, mais mieux valait jouer le jeu. C'était la seule chose à faire tant que l'infirmier Birch me surveillerait d'aussi près. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se calme! Posez ça! J'ai besoin d'aide! Hey, Wake! Restez ici, je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok? C'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. D'où est-ce qu'il sort ce foutu marteau ? Chance marteau, t'attends ! Viens par ici, traiter du grand Mjolnir, traîneur ! On a perdu des méchants frères ? On a fait du poil de la bête, hein ? On dirait que les choses se précipitent ! Man continuait à parler, faisant la visite à Barry, clairement fier de l'endroit. Il évoquait ses trophées de chasse, et Barry était impressionné. Mais il était là pour le boulot. Il éleva la voix et coupa court au monologue. « Hé, Hartman, où est Hal ?» Hartman s'arrêta, contrarié d'être interrompu. Il fit un signe de tête à un infirmier baraqué tout près. L'homme sourit et referma une main experte sur l'épaule de Barry. « Pas vrai ?» Sinclair avait l'air malade. C'est moi qui n'était pas les mains mortes avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartman, elle l'avait bien mérité. Je pouvais prendre la clé du service administratif à Sinclair. Je devais atteindre le bureau d'Hartman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Pourquoi tu viens pas nous chercher par la peau de nos vieux culs, mon frippé ? D'après les notes sur les bandes, ces enregistrements avaient été faits par Hartman lors de séances avec ses patients. Je vis le nom d'Alice sur l'une d'elles. Un instant, j'eus le souffle coupé. Bien, Madame Wake, pouvez-vous me parler des problèmes d'Alan ? Il devient de plus en plus incontrôlable. C'est comme s'il était en permanence en colère. Il devient violent et il... Comment ça, avec vous ? Non, pas avec moi. Non, jamais. Parfois... Je souhaiterais presque qu'il me frappe, parce que ça nous obligerait à avoir une discussion à laquelle il ne pourrait pas échapper. Mais non, il ne... Alan ne dort quasiment plus, et son travail, eh bien, il n'écrit plus. Pas un mot. Il reste assis là pendant des heures à s'énerver de plus en plus, et je n'arrive pas à lui parler. Dites-moi, Madame Wake, que lui diriez-vous s'il acceptait de vous écouter ? Ah, je n'en sais rien. Je lui dirais, je te regarde, mais ce n'est pas toi. Juste un inconnu qui te ressemble, qui m'observe à travers toi. Je n'aime pas beaucoup cet inconnu, et maintenant, je risque de tout perdre. Mais vous ne le lui dites jamais. Non. Non. J'ai essayé, mais il ne m'écoute pas. Il s'enferme dans ses problèmes. Il parle sans arrêt d'autre chose. J'ai tellement peur de le perdre. On ne se parle même plus. Il ne se confie
à moi. Il me laisse dans le noir, sans savoir. Je me sens si seule, même quand il est à la maison. J'ai besoin d'aide, docteur. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Eh bien, si vous réussissez à l'amener jusqu'ici, je ferai mon possible pour l'aider. D'accord, mais docteur, il faut faire attention avec lui. Vous ne pourrez pas le forcer à vous écouter et coopérer. C'est l'homme le plus puté que je connaisse. Très bien, je veillerai à ne pas l'oublier. Le fait d'entendre sa voix, ce qu'elle disait, me rendit heureux, malade et coupable à la fois. Mais le pire, c'est que j'avais reconnu ses paroles. L'appel que j'avais reçu n'avait été qu'un montage, qu'un enregistrement. Man était furieux. Mott le voyait à ses yeux. Il baissa rapidement le regard. Il avait tout gâché, et il le savait. La honte de cet échec était quasi insupportable. Il ne s'était pas attendu à ce que Wake lui demande plus de temps. Il avait répondu 2 jours, soit moins que demandé par Wake pour lui montrer qui était le patron. Mais ça ne faisait pas partie du plan d'Hartman. La photo au mur attira mon attention. On y voyait le personnel de la clinique réuni à l'extérieur de l'établissement. Je connaissais l'homme à côté d'Hartman. C'était le ravisseur. Hartman se jouait de moi depuis le début. Laissez-moi sortir! Hartman, vous m'entendez? Vous allez voir! Je vais vous coller un pointeau au cul! Barry? Enfin! C'est pas trop tôt! Barry, je suis trop content de te voir. On doit rejoindre le bureau d'Hartman. C'est juste à côté. Ça va? Ouais. Enfin, non. Les flics m'ont trouvé chez Rose, mais ils ont pas trop insisté. Je suis qu'une victime, moi. Alors j'ai dit à ces abrutis de me traiter en tant que tel. S'ils voulaient pas un procès au cul. En parlant d'abrutis, le type du FBI m'a vachement cuisiné. Mais je savais pas où t'étais passé. Ce mec est dingue, Al. Il m'a laissé partir, puis cet enfoiré d'Hartman m'a appelé pour me dire que t'étais ici et qu'il fallait que je vienne te chercher. Et quand je suis arrivé, 2 gorilles en uniforme m'ont tabassé et m'ont enfermé là-dedans. Qu'est-ce que ça fait là? Je l'ai fauché au restaurant pour me venger de Rose, après ce qu'elle nous a fait. Ça lui apprendra. Ouais, tu parles d'une punition. Allez vieux, faut qu'on y aille. Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien, il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce que... Hartman, la ferme. Barry, tire-toi d'ici, je te rejoindrai. Trouve une voiture. Al, et si on... Bouge ! Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous ne voyez pas? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Avec votre talent et ma... suivit la chute d'Alan Wake avec ses jumelles. Lorsque l'écrivain toucha l'eau, il ordonna à Jack de lui amener le bateau. L'endroit n'était pas facile à voir dans le noir, même avec toutes les lumières du bateau. Le feu à main flotta et continua à brûler, même dans l'eau. Jack monta le son de la radio alors que le moteur crachait. La musique était brutale et bruyante, chose que les frères Anderson auraient sans doute adorée. Mais Hartman décida de l'ignorer. Wake était enfin à sa portée. Oh!
savait qu'il n'était pas un créateur. Il n'avait pas d'ambition dans ce domaine, et il ne voulait pas finir comme les artistes dont il s'était occupé. Ils étaient détruits de façon indescriptible, et pire encore. Hartmann se contentait de gérer le processus créatif et de donner des directions. Être productif, c'était ce dont la plupart avaient besoin en fait. Bien sûr, les patients parfaits se faisaient rares. Mais la porte est fermée. Tu vas devoir passer par le labyrinthe là-bas. Marie, j'ai pas de lampe. Prends ça, Al. Bon sang! Regarde la maison, Al. Attention! Contempler l'attirail viking qui jonchait toute la zone entourant une pièce maîtresse improbable. Une scène complète, grandeur nature, dotée d'un système sonore impressionnant avec toute la déco, y compris un dragon. Il fallait avoir un sacré grain pour construire un truc pareil dans un champ paumé au milieu de nulle part. Lorsque le ciel s'ouvrit dans un fracas assourdissant et que la musique commença, je ne fus même pas étonné.
Hartman se hâta dans le couloir. Il regrettait d'avoir laissé Wake alors que celui-ci était le plus vulnérable à sa thérapie. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Wake avait écrit et avait réveillé quelque chose dans les profondeurs du lac. Maintenant, la chose venait le chercher. Hartman s'était préparé à une telle éventualité. Les deux abrutis de frères distrairaient Wake pendant que Hartman vérifierait tout, histoire d'être certain. Toute la journée. Il savait que Wake était plus malin que lui. Wake avait plus d'argent, une jolie femme, tout. Et Hartman avait dit que Wake était important. Ça le rendait supérieur à Mott, mais Mott menait la barque. Il s'était attendu à ce que Wake se mette à ramper, mais il semblait plutôt prêt à se battre. Mott savait qu'il tapait sur les nerfs de Wake. Si seulement Mott pouvait avoir sa femme, cette pensée le faisait trembler. Était juste content d'avoir survécu à la chute. Il avait été séparé d'Al, et il serait difficile de remonter. Il se dit que tout se passerait bien dans cette forêt lugubre en pleine nuit. Il n'aurait qu'à attendre qu'Al se fraye un chemin jusqu'en bas. Barry se retourna quand il entendit des pas lourds et perçut un mouvement. L'ombre, en forme d'homme, surgit des buissons et fonça sur lui, une hache à la main. Barry hurla et balança le poing. Le monde explosa. Thank you.
Hartman regardait le visage de Wake se détendre. Cet homme était buté, aucun doute. Même gisant sur ce lit, il avait presque cassé le nez d'Hartman la deuxième fois. Mais bientôt, Hartman pourrait briser Wake et lui indiquer la marche à suivre. Wake était clairement le patient le plus prometteur de tous. Enfin, depuis Tom. « Dormez bien, Alan », murmura Hartman en souriant. « Laissez-moi m'occuper de vous. » Il renifla fort pour dégager son nez douloureux, avala du sang, mais le sentit à peine. Vers le prochain panneau, vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Oh, je savais que tu me sentais là un truc comme ça, tu sais quoi? Tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais, crois-moi. Fellow is dead.